Eh bien, salut tout le monde, c'est Max469. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de Borderlands Pre-Sequel. Je vais te couper le micro, connard. J'avais fait dire. Pour le voyage capitalistique, peut-être le dernier épisode, on ne sait pas du tout. Donc voilà. Yoann, et je suis toujours en compagnie de monsieur Nono Venom qui fait des Hadouken. Hadouken. Tu vas bien? Ouais, toi, ça va? Oui, ça va, ça va. Hadouken. Allez, c'est parti. On va vaincre Shadow. Code brut. Oh là. Approche, viens te faire anéantir. Tu sais déjà que tu ne peux pas me tuer. Enfin, je savais qu'on se retrouverait. Je t'ai invoqué. Oh merde. Notre heure est venue, mon frère. Rejoins-moi. Nous allons fusionner avec le code source H, et ensemble, nous laisserons un sillage enflammé de glorieuses destructions. L'univers tremblera devant ces deux syllabes, la trappe. C'est vrai que ça a l'air cool. Nous allons priver Helios d'oxygène et terrasser nos ennemis. Tes faux amis qui passent leur temps à se moquer de moi et manigancent ta perte, ils mourront tous. Un simple high five, et c'est marché conclu. Tous ces gens vont mourir? C'est promis. Ils vont tous mourir. Tu vois la roue comment elle tombe trop vite? Ouais. Oui. Mais pourquoi ne pas trahir ces connards? Ils te prennent pour un moins que rien. Ils te trahiraient en un seul millicycle. Parce que ce sont mes amis. Alors tu vas mourir, quoi qu'il arrive. Dommage. Chasseur de l'arche, l'heure est venue. Je vais puiser dans l'énergie de la source de l'arche. Ça me va. Ça me va. Juron grossier. Juron grossier. Ok. Mais ça va pas très très bien. Oh la vache, il prend pas de dégâts. Dans le dos, ça brille. T'as balancé un missile, t'as pris trop cher. Tous les missiles vont sur toi. Alors. Ah ouais, là j'ai plus cher. Bah on peut même pas bouger. Ah si d'abord. Ah génial. Ouh, je sens que ça va être long ça. Ah, t'es là. Ok, y'a oh. Des sauts mec. Non mais gros, pas pareil que moi. On va partir, ça fait quoi? Putain, je te redonne de la vie. Oh damn! Oh! Il y a des boules. Ah, ça c'est énervant ça aussi! Vas-y, je vais à son opposé. Comme ça, je vais essayer de tirer dans le dos ou quoi. En même temps, je tire sur les gars. Oh, tu... oh, mais nique ta race. Faut que je vienne te soigner? Ils me disent qu'il y a un ennemi au-dessus de moi. Ah, c'est... Ok, il est mort. Tu l'as tué. Je l'ai pas tué, j'étais en train de venir sur toi. C'était toi qui l'ont tué. Bah non, j'ai pas de tourelle. Si ça aurait été une tourelle, Max, je serais en vie. Fais gaffe, t'as des missiles derrière ton cul, c'est ouf. J'esquive tout, ou pas. J'ai 300 de vie, ok, salut. J'arrive. Y'a un ennemi, c'est bon. Ah ouais! Merde, je suis tombé! J'en ai marre quoi! Pourquoi moi? Vas-y mec! Tu m'as tapé! Regarde la vie que je rêve! Merde! Ah putain! Ok, c'est bon! T'es où? Ok, ok! Oh yes, je sais pas comment j'ai fait. J'essaie de venir. Oh, ça va être chaud. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je suis en ligne. Merde. Ok, j'ai des missiles qui me courent après. Yoann, est-ce que ça me court encore après? Putain, il y a des boucs qui arrivent. Niveau supérieur. Putain, mais l'autre, il fait que augmenter pendant cette aventure, ça me gonfle. Non, j'ai rien eu. T'as augmenté plus que moi.
connard. Putain, on peut pas aller dans son dos là. Faut tirer dans sa tête. Faut que je tire dans les cuisses d'à côté. On va détruire le bouclier, ça sera Shadow Trap normal. Après il va se remettre tout le... Oh merde. Oh damn. Est-ce qu'il y a un ennemi par là? Ok, il est juste là. Merde. Il est caché derrière l'obstacle. Putain. Oh merde, tu es devant lui. Que je passe entre ses pieds, mec. Oh, mais pose, j'ai le mec qui me gratte. En fait, ok, du coup, d'accord, tes trucs ils ont tué mon. L'ennemi qui était devant moi. J'arrive! Merde, y'a un autre! Quoi? Je mourrai pas, ok, je vole. Ouais, je suis sur lui. Ah bah, je suis mort. Je suis mort sur lui. T'es sur lui là? Bah, là, je suis tombé. Je sais pas où il est. Ah, il est à côté de moi en fait. Bonjour? Je vais foncer dans les missiles, mais je suis skillé, qu'est-ce qu'il y a? Ok, je mourrai. Yeah, je suis en vie, baby! Laisse tomber, c'est juste toi! Ah, j'ai pas d'ennemis, moi. Mec, tu peux venir? Bah là, c'est showtime, en fait. Ok, bah meurs pas, alors. Ok. C'est de revenir vite, j'essaie de courir partout. Bah ouais. Bon, en tout cas, on lui a enlevé son bouclier. Faut juste pas qu'il le reprenne. Ok, je suis au truc, là, pour déplacement rapide. Il arrive, juste arrive là. Ça va, c'est pas très très long. Tout corrose, mon gars. Ok, je suis arrivé, il m'a défoncé. Putain! Ah! Attends, je vais améliorer mes compétences. C'est le mec au plein milieu de la bataille. Ah putain, j'ai la bombe. Juste sous ses pieds. Oh merde, j'ai volé. Je vais mourir là, je vais dans la lave. Dans la lave. Mec, dépêche-toi de revenir ou quoi. Si tu peux. Non, c'est bon, normalement je peux me sauver. Moi, je suis mort. Ok, on mâche quoi. J'essaie dans la tête sur lui. J'ai le temps de reprendre des mines. Non. Je reprends. Bon tard, j'en ai plus. J'arrive. Ok. Hein, je veux pas revenir. Ah si. Mais si, il faut. J'ai trop peur. Con. Ok, il sort toi. Il est corrosé. De ta mère. Oh, je l'enchaîne. Oh, je suis en fou. Vas-y. Merde. Fou de la rue. Gangbang. Vas-y, mec. Alors, c'est qui a dit que le programme chasseur de l'arche.exe était corrompu ou de la merde là? Voilà, c'est qui de papa? Allez. Je te décave. On baise nous. Reprise du code source H. Forme améliorée. Mais il est là-bas là. Eos. Vas-y, on le baise plus là. Merde. Mais non. Eh, plus gros encore. Génial. Belle. Oh, 8 heures plus tard, nous sommes toujours en train de tirer sur la tourelle. Bon, c'est tourne autour là. T'es sérieux, je demande des munes, l'autre il me donne que des grenades quoi.
Non mais putain, mais c'est abusé. Et toi, t'es tout en haut, toi. Ouais. Continue. Non mais j'ai 3 heures pour tuer. C'est sur quelle tourelle, toi? C'est du bas? Oh, moi je vise tout. Oh merde, il est en train de faire sa super attaque, toi. Ok, je crois qu'il t'a abusé. Alors? Voilà, il m'a bloué. En plus, je suis tombé. Ouais? Dans la lave? Bah, il m'a tiré dessus. Ah, t'es mort là? Là, t'es mort, mort là. Ouais, je suis mort. Ah, ça me dégoûte. Non, mais là, on va mettre trop de temps là. Je vois même pas à quelle tourelle t'as attaqué, toi. Bah, ça a rien fait pratiquement. Ah, ouais, d'accord. Putain, moi j'attaque la tourelle en haut à droite depuis tout à l'heure, je vais enlever masse par rapport à toi, Mounir. Damn! Si je me planque ici, ça pourrait peut-être le faire. Mais tiens, ta race là! Oh, ça me casse les dents! Balancer des bazookas sur le mec. Ok, là par contre, ok, on en parle que je me suis suicidé parce que j'ai été réanimé, parce que je sais pas pourquoi. Ok, là, plutôt que t'as été réanimé, j'ai voulu venir te sauver, je vais mourir, tu vois. Putain de ta race, t'es trop sûr de trouver une toile. Merde, je suis dans le feu. J'arrive. Vraiment, il y a plein d'ennemis en plus. Il y a rien là à côté de moi. T'es sérieux? Moi, ils me disent qu'il y a plein de points. Il y a derrière moi aussi, mais genre. Ah, c'est bon, vas-y, cours. Regarde, j'ai bientôt détruit une tourelle à droite là. Je pense qu'il faut focus la même. En bas? Hein? Celle en bas. Non, okay. En haut à droite! Moi je tape sur celle en gauche. Mais putain! C'est juste une casse les plateformes de merde! Celle de droite est bientôt finie. What? Ah, ça me va. Ok, j'ai détruit la tourelle de droite. Rentre, il y a plein d'ennemis qu'on spawn. Tu sais, je tire en même temps avec toi. Ça me saoule. Bah, y a plein d'ennemis. Bah, là où je suis. Bah, barre-toi. Et ils vont me tuer, c'est des virus là. Espèce de chien virus là. Ok, merde, ils tirent dessus. Non, tu ne mourras pas. Non mais c'est le boss, il cheatait, ça me fait. Tu vises laquelle là? J'en sais rien. Mais... mais mec, j'ai beau tirer, ça lui enlève que dalle. Bah tu sors plus là, je sais pas, regarde, moi je sais pas si ça lui enlève des dégâts. Ça ne met pas des dégâts que ça enlève. Et moi ça met un pixel de merde, de rien du tout. Bah moi aussi, mais faut quand même tirer quoi. Ça m'énerve. Faut pas les jeux comme ça me casse les couilles. Déjà, tu tires sur laquelle? Tu tires sur celle en bas à gauche? Là, je tirais sur celle. J'en sais rien, là, je regarde même pas. Ça m'énerve, j'en fais la gueule. J'y reste sur celle en bas à gauche, ouais. Moi, je suis ok, moi, je tire sur celle en haut à gauche. Sur en bas, après, il y en a deux. Tu tires avec quoi, toi? Bah, tout à l'heure, j'étais à la mitraillette et là, je suis au fusil à pompe. Au calme. Parce que j'ai plus de munitions, quoi. Ok, je suis caché derrière un débris. Un débris. C'est bon? De quoi? Ah, c'est bon, il tire plus son truc de rose. Ah bah si. Putain, l'enfoiré. Je barre. Prends la vie! Mais. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. Je peux aussi esquiver. Ou pas du tout. Oui, tout à fait. T'es où? Je viens de tuer un mec. Il y a un mec qui était juste à côté de toi en fait, il a cherché la complication. Sérieux, j'ai pas vu. C'est bon, j'en ai niqué un. Voilà, oui, ça tire. Ah, c'est long quand même, hein. C'est pas moi je fais rien, c'est. Putain, oh, j'ai putain, canard en plastique. Canard. Ouais, ça rebondit partout. Bah. Fais chier, Bugouni là.
poêle d'en haut, elle est morte. Je sais, je t'ai aidé. Ok. Je sais pas. J'ai plus une mine de. Je sais pas. Faudrait que je rechope, ouais. Je crois qu'il entend faire son tir. Ouais. Il est où? Putain, il est à droite. Je sais pas mourir. Un coup de main? Non, non, c'est bon. Pardon. Ok. Bah oui, il y a des glitches juste à côté de moi. Cache! Mais... Je vais t'anéantir pour ça! Ok, on vise laquelle? Bah, okay. Celle qui reste. Oh, mais. On va viser une commune, quoi. Bah, y'en avait plus qu'une, mec. Non, t'es ouf, mec! Tu vois pas les deux en bas? Quelles deux en bas? Bah, y'en a encore deux oh, en bas, mec! Oh putain, t'as fait, t'as niqué ma joie là! Oh! Ah, je suis tombé. Passe quoi là? Ok, y'a des mobs qui arrivent. Quoi? Y'a des mobs qui arrivent. Oh, oh, viens nous aider. Y'a un glitch brutal. Ah putain, je vais éliminer. Putain, mais j'ai une bombe, je suis tombé dans le vide. T'es mort? Bah là, je vais mourir. Ouais. Putain, bah. C'est... C'est juste toi. C'est... Ah putain, tes robots, ils l'ont tué. Cours. Il faut des mines. Là, y'a des caisses. Vas-y, mec, je récupère des mines en attendant. Moi aussi, j'ai récupéré des mines. Ils sont très contents de parler, là. On t'aura pas vraiment besoin de les récupérer. Tiens, là, y'a un gros truc. Eh, il est revenu, l'enfoiré. Il y a des lance-roquettes et tout sur les côtés, quoi. Non, mais c'est abusé. Ah oui. Oh, ça me dégoûte. Eh, ça, ça a duré. Ça dure trop longtemps là, ça m'énerve. Genre des boss qui durent une plombe. Merde. Regarde-moi dans l'œil. Troll. J'ai mis des flammes, s'il te plaît. Ah non, micromancien. Ah ok, d'accord, je suis dans le truc. Bon, je vois plus rien, merci. Y'a pas d'ennemis. C'est un ennemi. Merci quand même. Putain, mais il me jette dans la lave, c'est con. C'est plutôt long là, les gars. Ah, ça me gonfle. Ah, ça me pète les couilles. Mais d'une force. Ouais, il m'a mis une ellipse, ça dure trop longtemps. Ah putain. Putain, putain. La tête, j'oublie, je m'épaule, je me dis merde, j'ai oublié que t'étais avec moi. Ok, je suis pas touché, nickel. Ok, non, je suis touché. Non. Oh là, il est en feu, il est en roquette. Oh merde, j'ai fait un tir. Putain, je vois plus rien. Il est en train de te tirer sur son laser dans le gun. Sauf que là, j'ai plus du tout le mot. Moi aussi, je savais que j'ai plus grand chose.
Ok, une tour elle explose. What, le lance-roquette que je visais, il a plus de barre de vie. Ah, zéro charge, 12 heures. Mais t'imagines ça tout seul, mon gars, à chaque fois il revient à un début, mais c'est infaisable, franchement. Ouais. Là on est en normal, hein. Mais même pas en chasse ultime, j'imagine même pas ce que en chasse ultime. Tu restes là, je vais chercher des mines. Je vais essayer, moi. Tiens, mais je crois qu'il faut juste partir dans la bière. Ouais, il pue. Ah non, il y a comme plus. Vite, mais putain, j'ai même pas eu le temps de me cacher derrière le truc. Je vois plus rien. Ok. Ok. Il est où? C'est le démon. Peut-être pas illimité, mais presque. N'empêche, heureusement que j'ai. Les tourelles, ils aident bien, je peux au moins focus un endroit, quoi. Ok. Bientôt détruire un lance-roquette. Hop, voilà. Détruire un lance-roquette. Je te pose. Je crois que le lance-roquette, c'est pire que les tourelles, quoi. Oui, mon truc, il s'arrête pas, quoi. Tu sais, je suis avec ma mitrailleuse buggée, là. Ouais. Mon gars, depuis tout à l'heure, je suis en train de tirer, je recharge pas, et le truc il tire en rafale, quoi. Chut, il est trop bien. Je suis en train de défoncer un truc là. Ah, sauf si par contre, tu tires dessus avec le laser. Ah, merde, ça tire plus. Bon, j'ai fait un bon stock d'armes, enfin, nul. Je sais pas si toi ça t'a fait. Je suis quand même. Bah là en fait j'ai à moitié. En fait je tire des milliers de munitions mais ça m'enlève pas grand chose. Et lance-roquette là en bas à droite j'ai bien endommagé. Ah il a disparu. Il a eu trop mal. Bah, profite-en pour chercher des mines. Ouais. Sauf que là il est là. Ok il a invoqué ses sbires. Tu n'as rien d'héroïque. Je sais ce que tu as fait. J'ai tout vu depuis le début par l'œil de ce claptrap. Essaye d'éclater des trucs de soin, toi. Ouais, tu vois, ouais. C'est... J'en éclate un, mais je sais pas s'il va arriver. Le génie de ma trempe devrait s'encombrer d'un insecte comme vous. Vous êtes tellement à côté de la flaque, nous aimons le monde. Vas-y, génial. Brutal, il va dans la lave, quoi. Ok, ok. Ok, il disparaît. Ça va pas tarder. J'ai des mecs qui disparaissent, c'est l'apparaît. Putain, c'est hyper long. On est déjà à 25 minutes, mec. Ouais, bah, ça serait éliminé. Ah ouais. De toute façon, il y a pas grand-chose à voir, quoi, à part détruire le truc. Ouais. Il a quoi comme arme, là? Il a presque même plus d'armes. Là, il a plus que la tourelle en arme. Les trucs de tir lumière, mais. Ok. Je crois qu'il vise. Ouais, ça va être la fin là. Bah ouais, il a plus de. Je lag. Lag. Ouais, il s'est passé un truc chelou. Vas-y, il y a des y a masse de mines derrière là. Je vais ramasser ça. De la santé. Hop. J'ai la vie pour toi. Non, mais ça va vers moi. Ok, toi il est déglingué. Ouais. Ah! C'est quoi que maintenant faut tirer? Bah, franchement, y'a plus d'armes. C'est le milieu. Ouais.
qui part en combattant un mal de sortes. Il y a des espèces de tourelles là, mais au milieu. Bah, c'est ses yeux, non? Je comprends plus rien là. Moi, je tire dans les yeux. Ouais. Tire, j'en ai encore de même. Bon, c'est pas toi qui décide, hein. D'abord. Putain. Allez. Courage. Puis ça, on fait des critiques, donc du coup, ça lui enlève bien sa vie. Il y a plus d'armes pour nous niquer, à part ses trucs chelous là et son laser. Ah, d'accord, je suis quand même aussi à mourir. Mais il est bugué ou quoi? Il est sur le côté. Non mais c'était la limite, ça me dégoûte. Ça me c'est pas être mort. Dingue. Regarde, il est sur le côté, comment tu veux bien viser, sérieux? Regarde! Il va à droite, d'un coup après il se retourne de l'autre côté. Plutôt chelou. Mais c'est lent, c'est des grenades. Ouais, c'est des choses, mais ta mère est tellement débile qu'il n'y a même pas de quoi faire une chute pour cette blague. Je vois plus rien. Derrière toi. Où ça? Ah, derrière toi. Ouais, non mais... Je vois plus rien, l'autre il me tire dessus partout. Non, c'est bon. Je veux plus rien, quoi. D'accord, il est niveau 38, mais c'est cheaté, quoi. Donc, j'essaie de viser les compétences en espérant pas tomber sur de la merde. Ah, génie des fins, yes. Fusil à pompe. Oh, regarde sa vie, regarde sa vie. Moi, je utilise le pistolet, je suis refait là. Regarde sa vie. Non. Quoi? Ah non, je crois que c'était le... Vas-y, ouais. Yes, yeah, c'est bon. Oh putain, enfin. Oh, j'en pouvais plus, là. Une demi-heure pour le battre, quoi, sérieux. Putain, non, mais franchement, je suis déçu, là, ça me déçoit. Hyper long. Le Terramorphus, on mettait moins de temps. Il a loot des trucs. L'ombre de toi-même. Oh. Ouais, ouais. Oh. C'est bien du sperme. Mais oui. Oh la vache. Je pensais qu'il lâcherait un objet légendaire. Je suis riche. Oh. Oh, mode de classe. Loot Pinata. Putain, il y a énormément en argent là, Max. Hein? En orange. Non, j'en ramasse que les pierres. Pas volé. Moi, je vais ramasser un peu tout ce qui a l'air bien. Oh, ça, c'est bon, voilà. Il n'en peut plus. Vas-y, je t'attends au portail. Et un portail. Ouais. En fait, y'a pas des trucs super, quoi. Hein? Y'a pas des trucs géniaux, quoi. C'est quoi cette pierre là? Ah non, normal. Putain, eh, mais franchement, en solo, faut jamais y arriver. C'est dingue. Hop, un peu de vie. Merde, putain, un truc qui s'est changé au dernier moment. Voilà, les gars, on a enfin fini. Il y aura sûrement eu une ellipse. Oh la vache. Je suis là parce que franchement, une demi-heure de galère comme ça, on était tellement concentrés, on voulait tellement pas mourir que. Ah, j'en ai marre. Que ça devenait limite inintéressant, à part détruire les tourelles et tout. Et m'entendre crier. Et entendre Johan gueuler. Comme un ouf, là. Ah ouais, putain.
ça me dégoûte. Et là, ça fait la même chose, on doit recommencer, tu imagines. Ouais, bah, se reculer. j'arrête l'aventure. Serre les fesses ou ce que tu veux, je te garantis que ça va te faire mal. Jackpot, mon pote. Tu as un employeur bénéficiaire très, très, très content. T'as qu'à me payer. Moi aussi, je serais très, très content. Tu m'as donné les clés du royaume d'Hyperion, les schémas ultra secrets de Tacitus, ses infos confidentielles et les lignes de code pour éliminer n'importe quelle chaîne de production. Par exemple, ces aberrations, ces insupportables unités claptrap qui me les brisent. C'est radical. C'est bon d'être le roi, baby. Non, ça s'est arrivé plus tard. Et c'est ainsi que j'ai atterri sur cette toundra enneigée. Seul, trahi, désavoué. C'est arrivé plus tard. Mais je ne savais pas que Jack voulait mettre fin à ta production. Je te pardonne. J'ai vu des endroits loufoques sur Pandore, mais jamais rien d'aussi tordu. Moi non plus. Touche du bois. Bizarre. Athéna, je te dois vraiment des excuses. Pour avoir ordonné mon exécution? Ouais, c'est juste que je sais pas si on va résister face à la tempête qui approche. Jack est mort. Lilith, tu crois qu'il est le seul monstre dans le secteur? Ça va être déchirant. C'est quoi ce teaser? Les teasers qui font, quoi. Hein? Les teasers qui font, quoi. Tu crois que ce n'est pas le seul monstre? C'est genre, il y a un mec encore pire que ouais. Jack qui va arriver, quoi. Putain, ça me donne trop envie de jouer à la suite, quoi. Bon Max, qu'est-ce que tu en as pensé de... Bah l'histoire En tout cas on en sait plus sur Claptrap, pourquoi il est le dernier Claptrap en vie du coup. Enfin j'ai pas trop compris ce qui s'est passé en fait, c'est Shadowtrap qui a fait jaillir de la lumière bleue à l'intérieur de Claptrap. Il semble que lui c'était le... Tiens, tu vois là c'est Willem, c'est ouais, dans le 2. Il se transforme. Ouais mais on le voit de toute façon à la fin du... Bah à mon avis, Claptrap, c'est c'était la partie chasseur de l'arche de Claptrap quoi. C'est le parti puissant. C'est pour ça qu'il était encore en vie, qu'il l'a réanimé. Bah je sais pas du tout. Mon avis. Mais en tout cas, c'est plutôt chelou. Jack c'est vraiment un enfoiré, c'est bon là je déteste au plus haut point là, il a voulu détruire tous les claptraps quoi. Ouais, il a détruit tous les claptraps sauf un, le seul, l'unique. Moi, le claptrap unique. Qui ne pourra jamais mourir. Moi, par contre perso, dommage, il n'y a pas eu beaucoup de dubstep ou quoi, je pensais qu'il y aurait plus de trucs comme ça. Comme il parle souvent de dubstep. Ou de danse. Ouais ou de danse ou... Enfin en tout cas il n'y a pas eu ce genre de truc là.
Stone. L'histoire était bien sympa. Bon, ça vaut pas Tiny Tina, mais t'es quand même bien sympa. J'ai préféré celui-là que genre la chasse d'Hammerlock ou Torg. Ouais. Ou... Moi, j'ai bien aimé l'histoire, mais franchement, le boss de fin, il m'a abusé. J'ai trouvé le vraiment trop abusé. Le pire. Mais sinon, l'histoire est sympa, mais courte. Comme les premiers DLC de Borderlands 2, ils sont assez courts. C'est toujours le dernier qui est le plus long, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est mais sinon, ça. C'est ça, l'histoire est sympa. Ouais, franchement, ouais. Enfin, bref, nous, on va vous laisser sur ça. Attendez, on va juste voir si on peut passer. C'est facile, ça se trouve, il y aura une cinématique après. Voilà. Oh. C'est qu'on est d'humeur bagarreuse, hein? D'accord. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, ça nous donne vraiment. En fait, ce DLC, ça met vraiment le lien entre pré-sequel et Borderlands 2. Ouais. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais j'annonce. Retenez bien ça. J'annonce que dans les prochains DLC, je suis sûr à la fin, on va voir au moins. Je sais pas, un vaisseau ou une silhouette du prochain ennemi de Borderlands 3. J'en suis sûr. Peut-être, on sait pas. En tout cas, j'en suis sûr. En tout cas, il y aura pas de Jack, enfin, normalement. Sauf je mettrai Maxime au feu. Sauf s'ils font comme Freezer, ils invoquent Shenron et hop, ils invoquent. La renaissance de Jack. Le beau Jack. Le double. C'est le double personnage qu'on utilise, il est devenu maléfique. Ouais, c'est ça. Bref. Ah non, il est mort, le double. Non, mais le double, tu peux le contrôler. Ouais, mais le double, il est mort dans le Borderlands 2. Ah oui, exact, oui. Ah, ouais, je connais toute l'histoire, mon gars. Bref. Donc, nous, on va se quitter là. J'espère que ce DLC vous a plu, en tout cas. Et c'est sûr et certain, on se retrouvera pour la suite des DLC. Je ne sais pas du tout, ils vont sortir combien, sûrement 4, comme ils avaient fait avant. Non, 3. Ils en avaient sorti 4 avant, mec. La chasse d'Hammerlock, les pirates... Capitaine Scarlet, la chasse d'Hammerlock, Torg et Tiny Tina. Torg et Tiny Tina, ouais, bravo. Mais ils ont sorti que 2 personnages, peut-être ils vont sortir un troisième, on sait pas. Franchement, je préfère avoir un DLC histoire plutôt qu'un autre personnage, clairement. Parce que franchement, c'est pas le personnage. Franchement, le double du Bojack et la baronne, je sais pas quoi, là, la sœur d'Hammerlock, franchement, mais j'en ai strictement rien à foutre. Oh non, Bojack, j'ai bien kiffé, il est super. Le Bojack, j'ai joué. Franchement, le Bojack, j'ai joué, je suis monté niveau 1, ça m'a saoulé. Ah non, il est terrible. Je préfère carrément mon Claptrap, ou je préférerais même faire un Willem, ou peut-être même Athéna, ou Nisha. Moi, Willem. Il est stylé par rapport à la baronne, mon gars. On s'en bat les couilles de la baronne. Ouais, mais ils ont quand même les compétences cheatées. J'avoue, ils sont cheatés. Non, mais imagine, tu contrôles Moxie. Tu prends ou tu prends pas? Bah ouais, c'est un personnage principal, quoi. Bah ouais. Non, mais c'est un personnage principal, par exemple, la. Lilith, par exemple, moi j'aime bien, je crois même que j'avais pris Lilith dans Borderlands 1, je sais plus. Moi j'avais pris Brick. Ouais, mais après mon Borderlands 2, j'ai pris... Je sais plus, franchement, enfin, j'ai plus. Enfin bref, on n'est plus là. On lance un débat à la fin de la vidéo, on fait ça à chaque fois. Donc, laissez un commentaire pour savoir... si vous pensez savoir quel DLC sera le prochain, de quoi parlera-t-il. Ça parlera encore d'un personnage ou quoi. Par exemple, Willem, comment il est devenu robot ou quoi, exactement. Tu te calmes. Ou l'aventure de Nisha, ou là, une suite parallèle pour Athéna, ouais, qui a rejoint les pierres écarlates, du coup. L'aventure de... Dans notre perso, ou une histoire complètement opposée, illogique à l'histoire. Donc, j'espère que ce let's play, ce mini let's play NDC vous a plu. Il y a un petit dernier mot pour ceux qui étaient là. Vous a plu. Non, j'espère que cet épisode vous a plu. Toute cette aventure vous a plu. Et puis, moi, je vous dis, on se retrouve très prochainement.
Pour la suite de Day and Night, il y aura quoi d'autre? Maxime va sortir sans DMC. Ouais, DMC. Et on attend avec impatience la suite. Rendez-vous au prochain DLC, moi j'ai envie de dire. on attend le prochain DLC avec impatience. Et puis voilà. Et voilà. Donc bah, moi je vous dis à la prochaine et c'est un j'aime un commentaire pour nous, bah, pour nous ça donner vos... Comment je peux dire ça? Plaisir. Au plaisir, non. Chaque fois qu'on les lit en bande. En bande. En bande. Parce que moi je réponds à tous les commentaires, sauf aucun, voilà. Sauf aucun. Je réponds à tout le monde, vraiment, et voilà. J'aimerais bien interagir avec mes abonnés de temps en temps. Bande. Donc bah voilà, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve plus tard. Plus tard pour Dying Light, pour la suite, et pour DMC. Allez, salut tout le monde. Au revoir, monsieur. Tchuss. Voilà.